Bonjour à tous les petits amis de YouTube, on est parti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la sortie de Une Nuit à Karazhan, la nouvelle extension Hearthstone, et donc du coup on va pouvoir faire ensemble cette première aile qui est donc un invité indésirable qui est offerte pour tout le monde, pas besoin de la payer celle-là. Et donc du coup on est contre Malchezar qui a un pouvoir héroïque de Jaraxxus. En gros pour 2 il fait une 6-6. Je sais pas exactement comment ça va se passer, on est sur Enei maintenant, j'ai de la chance, c'est un deck qui est déjà construit de base, il n'y a pas besoin de faire le deck soi-même. J'aurais été bien embêté, j'ai presque pas de cartes sur Enei. Alors... On joue donc Medivh, ok, c'est plutôt cool. On est sur le nouveau plateau d'une nuit à Karazhan du coup. J'ai pas encore eu le temps de jouer avec tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Apprenti de l'archimage. Chaque fois que vous lancez un sort, en place une copie dans votre deck. Une 2-4 pour 2 mana. Ok, intéressant. Et il gagne 5 crystal mana pendant ce tour pour 0 mana. What the fuck? Ok, intéressant. Je pense qu'on va garder ça et ça. C'est intéressant l'apprenti de l'archimage. J'ai l'impression que c'est bien si on peut piocher beaucoup de cartes. Mais sinon, c'est compliqué. Parce que ça gagne pas tout seul, quoi. Ça. Vous piochez 3 cartes pour 2 mana, comme pouvoir héroïque, c'est pas mal. Ok, et pour 1, je gagne 10 points d'armure. Ok, on est tous les deux à 60 points de vie. Intéressant, intéressant. Et mon adversaire, par contre, commence à 6 mana. Je me sens un petit peu lésé, mais soit. Oui. Pas cette fête. Tu ne peux pas venir faire la fête avec nous, Malchezar. Malchezar, je sais pas comment prononcer son nom. Ok, donc je pourrais gagner 10 cristaux de mana pendant ce tour. C'est intéressant. Je pense que je dois le faire tout de suite. C'est probablement apprenti évocation hero power. Du coup. Ok, ok. On va commencer tout de suite. Alors, évocation. On rajoute un apprenti. On pioche 3 cartes. Déflagration, bon j'espère que j'aurai des dégâts des sorts. Vous avez plus 5 dégâts des sorts pendant ce tour, waouh! Et invoque un serviteur légendaire aléatoire pour 1 mana. Incroyable, ok ok, bon on va faire ça. C'est pas mal. Comment je fais pour la suite? Est-ce que je veux jouer la deuxième évocation maintenant? Pour gérer la 6-6? Je pense pas que ce soit très correct. Je pense que je dois garder ma main pour la suite. Ok, on va rien faire de plus, on va rien faire de plus ici. Morose quoi. Oh, il a le siphonné l'âme, c'est pas une bonne nouvelle ça. Bon, soit. On va commencer par juste piocher. Du coup ici, il a pas pu faire sa 6-6 dans le tour, c'est pas mal. Vos sorts coûtent 0 cristaux. Pendant ce tour, waouh! Ok, il y a tellement de trucs à faire avec Medivh, ça a l'air excellent quoi. On peut encore faire un serviteur légendaire aléatoire. Je pense qu'on fait ça maintenant et on fait rien de plus. Ou alors est-ce qu'on garde tout pour faire un méga gros tour après? Je crois qu'on garde absolument tout et qu'on fait juste un tour monstrueux plus tard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pense que j'ai peut-être envie de jouer l'armure de mage immédiatement. Ok. J'ai pas vraiment de raison de le jouer plus tard. Oh, il y a trop de trucs trop cool, quoi. Ok. D'accord. C'est un peu menaçant comme board, quand même. Faudrait un petit choc de flamme, un truc comme ça. N'importe quel AOE, en fait. Avec le plus 5 dégâts des sorts, il y a moyen de faire un truc cool. Joue 5 secrets de mage aléatoire. What? Ok, alors, je pense qu'on commence par apprenti mage, ensuite on fait évocation, et ensuite on joue. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je peux faire Hero Power. Je vais avoir 10 cartes dans ma main. Ensuite... Mes sorts vont coûter 0 pendant ce tour. Je vais plus 5 dégâts des sorts. Mais attendez, j'ai peut-être l'étal là. Encore plus 5 dégâts des sorts. Ça veut dire que j'ai une pyro avant. Et 2 fireball à 16. Je crois que c'est l'étal. Je crois que c'est l'étal. Ça fait plutôt l'étal, je crois. On va tout lancer quand même.
C'est génial. Dupliqué, contre-sort, bloc de glace, entité miroir, barrière de glace. J'aurais l'air débile si c'était Nosdormu par contre. BM! Il est trop bien ce. Elle est trop bien cette aile d'arène. Ah non, c'est pas encore létal. Faut que je chatte sur les missiles. C'est pas grave, ça peut se faire. J'en envoie peut-être pas assez en vrai. Hein. Parce qu'il y en a juste 13 et il y a les deux chefs de gang. C'est pas grave, YOLO, je pense qu'il faut le faire. C'est beaucoup trop rigolo, je suis obligé de le faire. Mais en même temps, je sais pas si le fait d'avoir mis plein d'apprentis de l'archivage dans mon deck, c'est une bonne chose. Je crois qu'en vrai, c'est vraiment pas du tout une bonne chose. Hein. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Hein. Ma face! Ok, au moins ça va pas mal pire. Ça va pas mal pire. Non, c'est bien, franchement. Avec deux chefs du gang, je m'attendais à pire. D'accord. Genre, on doit gérer la fête en même temps qu'on se bat contre Balthazar. On fait le videur un peu. J'ai deux cartes, gagne 4 points d'armure. Oui, mais non. C'est un contre-sort. Oh le. Oh s'il proc l'effigie. Non. Le. Ah non, c'était dupliqué. Ouais. Donc je vais récupérer les deux 4. Ça, à la rigueur, bon, ça sert pas à grand-chose. Il va récupérer la 3-3. Ok. Bon, il me reste barrière, bloc et entité. Donc théoriquement, je devrais avoir plutôt pas mal de temps. Petite fireball là? La famille. Éclair de givre, ça n'est pas létal. Ah, il me manque un mana. On fait genre juste ça ici et apprenti sorcier après, parce qu'on veut pas en rajouter dans le deck, on veut piocher d'autres cartes que ça. Nous avons oublié les ballons. What the fuck? Qu'est-ce qu'ils ont? Je vais me burlock avec les ballons, il y a un problème. Cœur du démon, ouais. J'aurais peut-être pas fait sur celle-là, à sa place, peut-être plutôt sur la 6-6 là, mais. Soit, c'est un play. Là, ils sont à l'état. Je vais même pouvoir piocher pour BM un petit peu. J'ai envie de trouver d'autres cartes, voir ce qu'il y avait d'autre dans le deck. Encore le gagner 10 points d'armure. J'ai peut-être fait le tour en même temps, cela dit. Hein. J'ai peut-être vu tout ce qu'il y avait à voir dans le deck. L'apéro! Et bim! Nice! Quoi, hein? On l'a exilé carrément. Tèche de la fête. Non! Laisse-nous tranquille. Ok. Nice, les portails des terres de feu. Ça va être super fort en arène, je pense. Mais et je pense que je le jouerai dans Rhénomage aussi probablement aujourd'hui. Et puis les piaf 2-2 pour 1, ça en druide bête, ça va être monstrueux. Ok, bon les amis, j'espère que vous avez apprécié ce petit duel contre Malchésar pour ce premier boss. On fera la suite dans une prochaine vidéo qui arrive très 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 vite, c'est promis. Des bisous et à très bientôt!